La Turquie en deuil après l'attentat de Suruç. Intense émotion dans tout le pays, en particulier dans la ville frontalière de la Syrie. Au lendemain de l'attaque suicide qui a fait au moins 31 victimes et une centaine de blessés, les familles ont assisté aux funérailles. De la douleur, de la colère, mais aussi une volonté indéfectible d'aller de l'avant. Nous ne renoncerons pas, quoi qu'il arrive. Nous allons défendre la paix et la fraternité. Cette autre femme a perdu l'un de ses amis hier. Elle est sous le choc. Je ne peux vraiment pas y croire. Je pensais que quand je voyais sa mère, il serait bientôt ici, parmi nous. Je ne peux pas y croire. Il était contre la violence. L'un des vice-premiers ministres a indiqué qu'une trentaine de personnes blessées étaient toujours hospitalisées dans la région et que certaines étaient gravement touchées. No, no, no.